je m'appelle Laura, je suis usineuse au Technicentre de Bischheim à la SNCF. En quoi consiste ton métier ? Mon métier consiste à fabriquer des pièces ou à les réparer pour les TGV. Pourquoi as-tu choisi ce métier ? Alors, je suis quelqu'un de très manuel, mais au collège, on m'a redirigée vers un BEP et un bac secrétariat que j'ai fini. Et au final, j'ai refait un bac et j'ai fait de l'usinage parce que ça me correspondait mieux. Est-ce que c'est compliqué de changer de métier ? Non, c'est pas compliqué, c'est juste retourner au lycée qui est embêtant, mais en soi, refaire des études, réapprendre un nouveau métier, si on l'aime, on apprend assez vite. Comment as-tu trouvé l'entreprise pour ton alternance ? Alors, j'étais inscrite dans un lycée et mon tuteur a demandé des candidatures. Et j'ai eu un entretien, etc. Et c'est lui qui m'a choisi, entre guillemets, c'est pas vraiment moi qui ai postulé à la SNCF. Le métier d'usineur est peu connu de tous. Il y a principalement des hommes. Est-ce que c'est un frein pour toi ? Non, c'est absolument pas un frein. Ça permet de découvrir un nouveau monde, de nouvelles personnes et de nouvelles manières de travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es bien intégrée ? Oui, je suis absolument bien intégrée. Je m'entends avec énormément de mes collègues et ça se passe super bien. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui te regardent actuellement ? Que si ça les intéresse, qu'ils se lancent, qu'ils n'hésitent pas. On peut toujours arrêter une carrière en cours de route et faire tout autre chose, mais en tout cas, il faut faire ce qu'on aime et aller au bout de ses rêves. Où te vois-tu dans 10 ans ? Dans 10 ans, je me vois encore à la SNCF. Alors j'aimerais être manager d'une équipe avec autant d'hommes que de femmes. Et j'aimerais bien être ambassadrice de SNCF au féminin. Un dernier mot à nous dire ? Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'aller au bout des choses, de ce que vous avez décidé de faire et pas ce que les autres vous dictent de faire. Votre avenir n'appartient qu'à vous.